Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de On My Way. Alors pour tout vous dire, je sais pas trop où j'en suis. Pourquoi ? Je m'explique. Comme vous pouvez le voir, regardez en haut, j'ai 4 victoires, 0 nul, 0 défaite. Alors, pourquoi j'ai 4 victoires, 0 nul, 0 défaite ? Comme je vous ai dit, j'allais très sûrement faire des matchs solo, etc. Hors ligne, donc pas devant vous parce que les matchs solo ça vous intéresse pas. Et en gros, ce que je voulais faire, c'était mon objectif, c'était de continuer les tâches manager. Alors allons voir justement ces fameuses tâches manager. Ce que j'ai fait, alors il y a eu des petits bugs en fait. Comme vous le savez, encore une fois, je vous le répète, j'ai des problèmes de connexion. Donc en ce moment, je suis avec une box nomade, donc une box avec le réseau téléphonique. Donc en gros, je suis en 3G ou en 4G, H+, ça dépend. Mais ça marche plutôt bien. Donc en gros, ce que j'ai fait, c'est que... Mais des fois, ça bug, voilà, justement. C'est là où je voulais en venir, c'est que des fois, ça bug. Et en gros, j'ai essayé de faire des matchs de compétition. Donc j'ai fait un match de compétition. Comme vous pouvez le voir, tac, tac. Voilà, j'ai commencé coupe débutant, le truc tout bête. Hein. J'ai voulu juste faire le match de compétition. Mais il n'a pas été validé dans les tâches manager, donc je ne sais pas pourquoi. Ça a compté la victoire, mais j'ai gagné ni crédit, ni rien du tout. Donc c'est assez bizarre. Et puis ensuite, par contre, bizarrement, j'ai fait deux matchs de saison. Le premier, ça a foiré. Le deuxième, ça a réussi. Donc, j'ai quand même réussi à valider la tâche manager de saison. Donc, ça, c'est bien. Donc, en gros, il me reste quoi? Il me reste le match de compétition, l'élément style à appliquer, et partager une équipe avec un collectif de 100. Alors, ce que je vais faire dès maintenant. Dans cette vidéo, en fait, alors, pour tout vous dire, je suis un peu paumé, je sais pas trop ce que je vais faire, mais je pense avoir une petite idée derrière la tête. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par appliquer un élément style. J'ai cru voir qu'il y avait des éléments style pas chers, style Vista pour 300 crédits, un truc dans ce goût-là, et je vais l'appliquer à un joueur que je suis sûr de garder pendant un petit moment, donc ça va être très sûrement Ben Arfa. Je réfléchis, mais je pense, ouais, Ben Arfa ou Guilavogui, peut-être, je sais pas, on va voir. Je sais pas en fait, peut-être pas Guilavogui, peut-être Ben Arfa, on verra. Mais en tout cas, je vais appliquer cet élément, un élément style, ça dépend duquel que je vais avoir, à un joueur que je sais que je vais avoir pendant longtemps. Et puis par la suite, ce que je vais faire, c'est que je vais très sûrement disputer le premier match d'une compétition, ou peut-être essayer d'avoir une équipe à 100 de collectif, je sais pas. Parce que pour l'instant, je vous rappelle que mon équipe est à 99 de collectif, donc ça me fout un peu le seum quand même pour un point, c'est dur. Ou peut-être que je vais acheter un entraîneur. Je sais pas, on va voir. Alors déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un élément style pour commencer. Alors, consommable style, c'est là-bas, tac. On va essayer d'avoir vraiment le moins cher possible, sincèrement. Alors déjà, apparemment, on en a pour 300 crédits. Est-ce qu'on en a pour moins? Parce que pour l'instant, voilà. Oh bah oui, putain. Attendez, peut-être pour 200 crédits. Oui. Peut-être pour... bah c'est le même... Ah non, 150 peut-être, on sait jamais. Non, quand même pas, faut pas exagérer. Alors, pour 200 crédits, qu'est-ce qu'on a? De base, on s'en fout. Alors, on a garde, dribble, défense, on a charnière... Oh putain, charnière, ça m'intéresse. Charnière, je l'achète, ne serait-ce que pour l'achat-revente, je sais pas, peut-être que ça coûte plus cher. Ah putain, il a déjà été pris. J'étais trop lent. Je me disais bien quand même, charnière, ça me paraissait bizarre. Dommage. Quoi d'autre? Bah, y a charnière là-bas, je vais le reprendre, tiens. Parce que charnière, ça m'intéresse en plus pour mes défenseurs. Putain, c'est pas vrai. Y a pas d'autre charnière, tant pis. Bah, je me suis fait niquer deux fois, hein, tant pis pour ma gueule. Alors, physique passe, bah remarque, ça peut être intéressant pour un défenseur, ça. On va le prendre. Et bah, je peux toujours pas. C'est tellement magique, ça. Alors, soit y a un bug, soit je me fais défoncer à chaque fois, mais bon, ça m'étonnerait quand même. Dribble, tir, physique, pourquoi pas pour Ben Arfa, ça. Ça peut être intéressant. Dribble, tir, physique, ça peut être intéressant pour Ben Arfa. Putain, c'est pas vrai, attends... Soit y'a un bug, soit je sais pas, c'est bizarre, mais... Tiens, chat, allez hop, on prend direct, on s'en fout. Bah non, je crois qu'il y a un bug, hein. Attendez. Ah bah voilà, non, alors c'était pas un bug, c'est vraiment que je me faisais niquer à chaque fois. Donc j'ai réussi à prendre la charnière. La charnière que je vais appliquer à un défenseur, parce que défense physique passe, c'est pour moi, c'est un truc qui est très 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 intéressant pour un défenseur. Donc on va le mettre à qui? Bah j'ai mes remplaçants de l'autre côté normalement, donc c'est surtout sur les défenseurs principaux. Alors, il y a Santana qui a plus de vitesse mais qui a moins de défense, moins de physique et pas beaucoup de passes. Donc je vais le mettre à Santana, à Felipe Santana, voilà, une tâche manager remplie. Alors on va retourner, je vais retourner dans les styles, mine de rien les styles sont pas chers donc c'est intéressant. Ouais mais là j'ai pas grand chose. En fait ce qu'il faut faire, voilà, en fait c'est faire des mises à jour, bah là je viens de découvrir ça avec vous, vous voyez. Je viens de découvrir ça avec vous, c'est qu'on peut voilà, mettre à jour et au fur et à mesure s'acheter des styles pas chers pour 200 crédits. C'est super intéressant. Voilà, dans l'immédiat, il n'y a plus rien.
Mais tout à l'heure, ouais, si j'allais un peu plus vite, je pouvais m'acheter des trucs pas chers. Même si garde, ça m'intéresse pas tant que ça. Dribble défense, non, moi ça m'intéresse pas trop, je dois bien vous l'avouer. Non, bon, ouais, c'est pas grave. Au moins, une tâche manager est faite. Alors, je voulais aussi voir. Attendez, ce qu'on va faire. Alors, moi, ce qui m'intéresse maintenant, voilà, c'est partager. Voilà, créer une équipe avec un collectif de 100 et partagez-la avec vos amis. Alors, je sais même pas comment on fait ça. Mais en tout cas, voilà, déjà, mon objectif, là, ça va être d'avoir mon équipe à 100 de collectif. Donc, par contre, faut que je pense que celle-là, je m'en fous. C'était mon équipe bronze avec laquelle j'ai fait tous les matchs en solo pour essayer de remplir les stages managers. Et aussi, qui va donc me permettre d'augmenter la forme, hein, je vous le répète, d'augmenter la forme de mes joueurs, parce que pour l'instant, je n'ai pas deux équipes, j'en ai qu'une. Et en plus, sachant qu'ils ont 45 contrats, franchement, 45 contrats, faut pas les négliger. Ça peut nous aider à faire des crédits. Bref, alors... ouais, alors pour avoir le centre collectif, c'est au niveau de Rafinha que ça pêche. Alors je l'avais acheté la dernière fois en pensant pas que j'allais m'acheter un joueur directement. Mais sachant que maintenant j'ai 4000 crédits, pourquoi j'hésite. J'hésite à prendre un entraîneur et donc peut-être à avoir 8 de collectif sur Ben Arfa. Ou carrément m'acheter un joueur, peut-être si j'en trouve un pas cher, il y a quoi, il y a Debuchy. Bah je répète, hein, du coup ça va être Debuchy, Sagna, peut-être un défenseur droit de Hull City, c'est à voir, je sais pas. Plus un entraîneur dans ce cas-là pas cher, je m'en fous, un entraîneur bronze, histoire d'avoir 10 de collectif pour... Ouais, je pense que c'est ça le mieux, en fait. Je pense que le mieux, c'est d'essayer d'avoir 10 de collectif partout, donc tant pis pour Rafinha. Je l'ai pas acheté pour rien, parce que j'avais vraiment acheté pas cher. On va essayer de voir, du coup... Alors... On va retourner voir Debuchy. Je sais que je suis allé le voir... Alors, ouais, pour moi, je suis allé le voir hier, même si pour vous, ça fait pratiquement, je sais pas, peut-être une semaine ou peut-être un peu moins, je sais pas. Pour vous, ça fait un petit bout de temps que je suis pas allé voir Debuchy, mais moi, enfin, pour moi, ça fait juste hier, donc... je pense pas qu'il a énormément baissé, voilà. Forcément, il reste encore super cher. Donc ça pique un petit peu, quoi, Debuchy à ce prix-là. Même si je suis content, parce qu'il est passé or et il le mérite pour moi. Je suis assez content, mais... Il mérite pas d'être aussi cher non plus, faut pas exagérer. Peut-être Sagna. On sait jamais. Même si Sagna, j'avais l'impression la dernière fois qu'il était encore plus cher que Debuchy. Donc ça, ouais. Ça, c'est chaud quand même. Ah, quoique, là, on en a pour des 2000. Ouais, mais par contre, en achat immédiat, c'est plus. Peut-être que là, je peux l'avoir pour 2000, plus, un peu plus de 2000. Ah, mais ouais, il va monter. Ouais, il monte trop vite, regardez. 2600, 2700, 2800 en quelques secondes. Ouais, pff, il va être trop cher, c'est mort. Il va être trop cher. Je peux peut-être tenter un petit truc ici, allez hop, on va tenter 1500. Ok, bah de toute façon... Ok, d'accord, il est monté à 2600 direct, on oublie. Non bah les gars, j'ai pas envie de m'acheter un joueur aussi cher, ça me ferait vraiment chier. On va retourner voir à Hull City vite fait. Ah merde, je suis con. Tac. Hull City, c'est là. Ouais non, bronze, on va pas exagérer non plus. Mais El Mouamadi, il a l'air vachement bon, mais en même temps... Attendez, bah du coup on va aller voir du côté d'El Mouamadi, parce que rappelez-vous, dans le dernier épisode, il y en avait qu'un seul. Et du coup, il coûtait plutôt cher, donc ça me faisait un peu chier. Ah bah 1200, c'est pas trop mal. Ah mais putain. Ah ouais, 3 contrats... Remarque, ça ferait peut-être une affaire quand même. Parce que j'ai des au niveau des contrats... Remarque, ça peut... Remarque, attendez, si je vais acheter 1200, regardez pourquoi. Parce qu'en gros, il me suffit, si, après réflexion, il me suffit tout simplement de, regardez, de lui mettre une carte forme, sachant que j'en ai, je m'en fous, je peux lui mettre une carte forme bronze ou argent. De toute façon, je vais pas les utiliser, donc ça, je m'en fous un petit peu. Lui mettre une carte forme pour qu'il ait 99 de forme, lui péter un ou deux contrats, et le revendre peut-être 1000 crédits plus cher, parce que vous avez pu voir que là, j'ai acheté à 1200 crédits, alors qu'à la base, elle m'a dit, il coûte environ, il coûte plus de 2000 crédits, donc je peux me faire un bénéfice de 2000 crédits. De, plus loin, 1000 crédits. Voilà. Donc ça peut être intéressant, donc je vais le prendre. En plus, du coup, je vais revendre à Rafinha, donc ouais, forcément, je vais gagner des crédits. Donc si, c'est plutôt une bonne affaire, finalement. Quand on y réfléchit bien. Alors lui, du coup, on va le lister. Je l'avais acheté 700, bon, on va le mettre 700, 800, on va essayer de le mettre à 800, hop. Tac, c'est fait. Du coup... Alors, maintenant, ce qu'on va faire... Alors, attendez, on va réfléchir pour un entraîneur. Le mieux, ce serait quoi? Déjà, on va lui mettre une carte forme pour commencer. Parce que je sais que j'en ai. J'hésite. Oh, on s'en fout. On va juste mettre une carte bronze, ça va suffire, hein, dans l'immédiat. Il va pas me saouler, ça va suffire.
Par contre, voilà, moi ce que je me demandais, c'est quel entraîneur prendre, parce que sachant que là, mon entraîneur écossais, il me sert strictement à rien. Donc peut-être... Ah ouais, non, attends. Là, du coup, ils ont 9 de collectif ici, 9 ici aussi. Le plus rentable, ce serait de prendre... Ah ouais, mais en plus, sachant que Ben Arfa a 10, lui, s'il garde 9, je m'en fous un peu. Parce que je pense qu'un... Il est égyptien, lui, c'est ça? Ouais, je pense qu'un entraîneur égyptien qui est de Bundesliga, ça va être dur à trouver. Même si je vous avoue que j'ai un peu peur que l'entraîneur de Bundesliga risque d'être... Enfin, la Ligue Bundesliga risque d'être un petit peu chère. Alors, je vais soit prendre un entraîneur de Bundesliga tout simple, soit un Français. Remarque, un Français de Bundesliga, ça m'arrangerait bien. On va essayer de trouver ça. On va chiner un petit peu encore une fois, on va voir un petit peu ce que ça va donner. Alors, personnel entraîneur... On va tenter déjà France Bundes. Elle où la Bundes? Elle est là. Ah ouais. Rudy Garcia. Ouais. Sauf qu'il est pas trop en Bundesliga lui. Mais putain, ouais, ça pique. Oh Dieu. Attends. Oh putain. Bon, c'est pas grave. Au pire, au niveau des Français, on s'en fout un petit peu. C'est pas trop grave. Dans ce cas, si au niveau des Français, il y aurait que Gigi et. Il y aurait que Gignac et dans ce cas-là même El Mouamadi qui n'est pas français et qui est égyptien, mais El Mouamadi et Gignac qui n'auraient pas 10 de collectif, c'est tout. Sachant que... Ben Arfa a déjà les 10 de collectif. Après, je m'en fous, mais si j'ai un bronze ou pas, je m'en fous, j'ai pas envie de l'acheter cher mon entraîneur, c'est ça qui me fait chier. Oh là 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 là. Lol. Oh là 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 là, c'est abusé. Merde. Je l'avais dit que les entraîneurs de Bundes seraient chers. Oh là 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 là. Bon, le truc, ce truc qui me rassure un petit peu, comme je vous dis, c'est qu'en un match, je le rembourse, mon entraîneur. En un seul match, je gagne 1800 crédits, donc je le rembourse. Voilà. C'est ce qui me rassure pour l'instant, mais ça me fait quand même chier de dépenser 1800 crédits pour ça, quoi. Dans ce cas-là, alors, dans ce cas-là, tant pis, autant mettre un peu plus cher en prenant avec beaucoup de contrats. Tant pis. C'est quand même, je pense, le plus rentable, finalement. Parce que du coup, dans ce cas-là, voilà, en deux matchs, je le rembourse. En seulement deux matchs, je le rembourse entièrement, si ce n'est plus. Et puis, en plus, du coup, il a beaucoup de contrats, donc il tiendra beaucoup. Oh bah voilà, eh les gars, hop. Joachim Löw, 53 contrats. C'est une super bonne affaire. En deux matchs, je le rembourse. En même moins, en un match et demi, en vrai, je le rembourse. Non, non, je m'en fous. Placé dans mon équipe. Ah putain, bon, vas-y, tant pis. Je peux pas. C'est quoi le délire là? Je peux pas. Je peux pas le garder. Attends, j'ai pas tilté là le truc là. J'ai pas tilté le truc. On va le foutre dans l'équipe là parce que. Voilà, tant pis. J'ai pas trop compris le délire, là, mais bon, c'est pas grave. Bref, j'ai eu un petit moment de blanc, là. C'était bizarre. Bref, du coup, ce qu'on va faire, on va retourner dans les équipes. Hop, on va prendre lui. On va virer cet entraîneur. On va retirer de l'équipe. Je sais qu'il est non échangeable, c'est ça un peu qui bloquait tout à l'heure. Et regardez, 53 contrats, ça veut dire qu'il va durer 53 matchs. Et puis, en plus, du coup, ils ont tous 10 de collectif, sauf El Mouamadi et Gignac. Donc je vous avoue que dans l'immédiat, je suis plutôt content. Ouais. Maintenant, manque plus qu'à mettre mes joueurs que j'utilise, c'est-à-dire... on va regarder un petit peu la forme qu'ils ont, comme ça je sais qui j'utilise et qui j'utilise pas. Zvitanić que j'utilise... Ouais, je les ai pas mal utilisés apparemment, vu la forme qu'ils ont, les pauvres. Bref. Mais bon, ouais, du coup, ce que je vais faire, alors je regarde vite fait au niveau du temps, là, ça fait à peu près un peu moins d'un quart d'heure que j'ai commencé la vidéo. Ce que je vais faire, c'est que dans ce deuxième épisode, je vais... Attendez que je réfléchisse. Je vais faire du coup un match de compétition en ligne, pour deux raisons. C'est que comme ça, je ferai la tâche manager, du coup, il me reste... Enfin, du coup, voilà, j'accomplirai la tâche manager, faire une compétition, et de deux, en plus, ça me permettra de tester cette équipe. Comme ça en plus je vais pouvoir voir un petit peu à quoi elle va ressembler. Tout simplement. Ensuite, je vais donc partager l'équipe. J'aurai fini la tâche manager. Je pourrai ouvrir le pack cadeau lorsqu'on finit toutes les tâches manager. Et à la fin, je verrai soit on se quitte là-dessus, soit on se quitte là-dessus, soit.
Soit je sais pas trop, soit on se quitte là-dessus, soit je fais un match en saison. C'est à voir, un des deux. Soit je commence la saison, mais je pense pas. En fait, je pense que je vais juste faire un match de compétition, finir les tâches manager, ouvrir le pack, et ça se terminera là-dessus, je pense. On va voir ça, on verra si on est chaud, et le temps de la vidéo aussi, remarque. Bah, c'est qui le dernier que j'ai pas mis, là? Parce que je crois qu'il en reste un, non? Attendez. Logiquement, il en reste un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Ouais, on est 11 sur un terrain, logiquement, donc... C'est lequel, le canaillou, qui est pas venu? Flo, non, c'est pas lui, parce que Flo, je l'ai utilisé juste une fois, et il me sert à rien. Bah, je ne sais pas. Je sais pas. Bah, tant pis, il se reposera pas, tant pis pour sa gueule. Bref, bon, les gars, on a fini là-dessus. On va peut-être commencer un match. Tout le monde a de la forme, ouais, ça a l'air d'aller. Et puis, les gars, bon, on va lancer une compétition, on est chaud. Juste, ah non, je veux juste voir maintenant comment on fait pour la partager. C'est peut-être con, mais je... Ah bah voilà. Partagez l'équipe avec vos amis. En partageant votre équipe active, vous en enverrez une photo à vos amis. Ces derniers pourront la consulter depuis leur flux d'infos IES... Enfin, IESport FC. Bah oui, comme ça, je fais une tâche manager, c'est parfait. Et il m'en reste plus qu'une, les gars, c'est faire la compétition. Donc on est parti, compétition en ligne. on va faire quoi? Bah, le bouclier champion, parce que là, c'est, ouais, c'est mort. Bouclier champion, en plus, si on gagne le bouclier, on a un pack or. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste le premier match du bouclier champion. Ensuite, je vais commencer la saison, dans les prochains épisodes, je vais continuer la saison, etc. Une fois que j'aurai deux équipes, ou une belle équipe, on verra, je finirai le bouclier champion pour essayer d'avoir un pack, mais avec cette équipe-là, je vais juste faire le premier match, histoire de faire la tâche manager, c'est tout, point barre. Voilà, je finirai cette compétition quand mon club sera un peu plus avancé, tout simplement. Bref, au niveau de mon équipe, je pense qu'elle peut être vraiment pas mal, hein, parce que je trouve, regardez, la défense, comme je vous l'ai déjà dit, mais je le répète, la défense, elle a l'air juste énorme. La défense centrale, la charnière centrale, quand on regarde Matip, 1m95, Felipe Santana, 1m94, je crois. Ouais, 94, c'est ça. Ça a l'air assez énorme. Bah, t'as le droit d'accepter, mec, hein. Je sais pas, il s'est peut-être endormi. Bref, cette équipe, elle a vraiment pas mal, surtout au niveau de la défense. Après, le milieu, bon, Guilavogui et Rodeux, bon, Rodeux, je l'ai eu parce qu'il a 45 contrats, etc. Guilavogui, il a l'air énorme, mine de rien. Puis voilà, non, ça peut être plutôt intéressant. Putain, lui, par contre, il a une belle équipe aussi. Une petite BPL plutôt sympathique. Ouais, si je tombe déjà sur des équipes comme ça dès le début, ça va vite me faire chier. Mais bon, après, en espérant qu'il soit nul. Apparemment, il a un joueur de prêt. Bon, c'est à voir après. C'est à voir. En espérant aussi que la connexion ne me lâche pas, parce que mine de rien, je suis toujours avec mon petit boîtier de téléphonique là, donc on va voir. On va voir ce que ça va donner. Bon, les gars, on se retrouve pour les meilleurs moments du match. Oh oui, Gignac, Modeste peut-être. Vas-y, Modeste, grosse frappe, il est droitier, je crois. Il est peut-être pas droitier en fait. Je sais pas. Dommage. Première action. Ah, troisième minute, ça fait plaisir. Oh oui, la défense. Putain, c'est qui ça? Je sais pas c'était qui, mais c'était juste parfait. Oh merde. Oh oui. Oh là là, alors ça s'abuse aussi. Gignac, tu le finis. Gignac, tu finis, poteau, non? Oh Gigi, tu déconnes. Oh dommage, l'appel était bon là. Ah dommage, on y est là, on y est, on va le gagner ce match. Mais c'est pas fini. Oh là là, oh c'est dangereux ça. Oh bien joué le gardien. Oh bien joué le gardien. C'était chaud là. Oh oui, allez Modeste, tu finis encore. Oh oui Modeste, c'est ça que je veux. Ça fait du bien ça les gars, le 1-2 Gigi, je crois que c'était Gignac, je sais pas, enfin Modeste, je crois que c'est Modeste, je suis même pas sûr. Allez bim, le poteau de corner, PAN. C'est dommage parce qu'il n'y a pas les noms derrière en fait. Faudrait peut-être que je mette pas ce nom là parce qu'il n'y a pas les noms derrière, du coup je vois pas les noms et je connais pas encore mes joueurs par cœur, mais je pense que c'est Modeste logiquement. Bah voilà, Anthony Modeste, premier but d'Anthony Modeste les gars. Ça promet du lourd pour la suite. Allez oui, Gigi, il a fait partir Gigi, vas-y Gigi. Allez Gignac, impose ton physique. Ah, dommage, ça part en corner. Ah, oh, devant, c'est physique et c'est plutôt rapide. Donc, franchement, ça c'est pas trop mal, sincèrement. C'est qui, là, qui le tire? Ben Arfa? Ouais, bah, vas-y. Hein. Il a l'air d'avoir une bonne précision. On le met dans le tas. J'ai des gros gabarits, les gars. Oh.
Et c'est ce que je disais les gars, mais oui. Oh, j'avais dit que j'ai des gros gabarits, c'est qui le numéro 7? On va faire quoi les gars? Ça vous dit on fait le vieux. Le vieux. Oh, oh mon dos. Mon dos. La fameuse célébration de Eto, parce que je sais plus c'était pour quel match, mais c'était Eto qui avait fait ça près du poteau de corner lorsqu'il avait marqué un but. Parce que Mourinho lui avait dit que enfin, Mourinho avait dit lors d'une conférence de presse que Eto était trop vieux. Donc voilà, pour la petite anecdote. Bref, c'était Caligari, là j'arrive pas à dire son nom, mais en plus c'est mon latéral gauche, c'est ça. Et il a réussi à mettre un but de la tête, donc je suis plutôt content. Il a pas l'air mauvais lui. Par contre, ah ça j'aime pas, putain, ça c'était en FIFA 14, voilà, les mecs qui partaient sur le côté et c'était impossible de les arrêter. Allez, on est reparti en contre-attaque. On joue en 1-2. Un petit 1-2, j'attends. Ouais, mais non. Vas-y, hop, il part. Oui, Gigi, c'est ça que je veux voir. Vas-y, Gigi, fini. Les gars, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? 3-0. C'est tout. 3-0, les gars, mais oui. On a même plus le temps de couper les scènes. On a même plus le temps de couper les scènes. Gigi qui marque, Modeste qui marque, Cagliari, enfin j'arrive pas à le dire, qui marque. Allez, Rodeux, grosse frappe. Ouh. Oh, Rodeux, il a l'air d'avoir une belle frappe. Dommage. Oh, bien joué. Oh non. Oh, dommage, je voulais faire un long shot. Bref. Bon, les gars, 3 euros à la mi-temps, sincèrement, pour l'instant, ça commence plutôt bien. On mène au niveau des frappes. Ouais, bon, on a fait deux frappes de plus, une frappe cadrée de moins, mais bon. Ouais, non, mais sinon, si on mène quand même au niveau du jeu, il n'y a pas photo. Ouais, franchement, première mi-temps, plutôt content de cette première mi-temps. Tout le monde joue plutôt bien. Il n'y a pas un joueur qui m'a déplu. Franchement, Matip Santana, les gars, c'est juste une tuerie. Le gardien qui m'a fait un ou deux arrêts plutôt sympathiques. Et puis Modeste Gignac devant, pour l'instant, ça me plaît bien. Ce n'est que le premier match. On va pas se baser là-dessus, mais pour l'instant, ça marche plutôt bien. Allez les gars, on est reparti pour la seconde mi-temps. Allez, peut-être Gigi qui fait partir Modeste, allez. Après, c'est que Modeste, je le connais pas, putain. Je sais pas quel pied il... Je connais pas Modeste. Allez, peut-être. Oh oui, là-bas. Peut-être. Ben Arfa, vas-y. Quoi? Oh, style, dommage. Dommage, t'es encore bien construit, ça. T'es presque dedans. Il faut faire le bon choix maintenant. Bien joué ça. Oh faute. Oh là là. Est-ce abusé? Oh oui. Oh ce clip je vais le mettre. C'est obligatoire. Allez peut-être Gigi qui part. Ah oh, dommage. Je fais mauvais choix. Oh oui là-bas. Là-bas, est-ce qu'il est droitier? J'espère qu'il est droitier, attendez. Oh, c'est bien joué ça, les gars. Ça, c'est bien joué. Je sais pas quelle célébration faire. Et bon, on va faire ça. Voilà. Oh putain, les gars, ce but, il est vraiment beau, je trouve. J'ai bien temporisé, j'ai bien fait ce qu'il fallait au bon moment. Hop. Ah, parfait, le petit plat du pied. Ce joueur, il est bon. C'est le deuxième but en un match. Caligiuri, je sais pas comment on dit. Il est allemand, donc on doit dire Caligiuri, je pense. Il est très très bon. Deux buts en un match, franchement, je suis plutôt fier de lui. Belle recrue. Allez, Gigi, tu pars. Allez, Gigi. Mais oui. Contre-attaque pété, je sais pas comment t'as fait, mais bon, c'est pas grave. T'enroules. Oh putain, non, mais ouais, non. Là. Mais Gigi, il mérite tellement pas ces notes-là. Il est plus rapide en vrai, il est plus physique, il est plus tout ce que vous voulez. Oh, il mérite d'être rare avec. Pff, ça me dégoûte. Il mérite tellement plus. Bon, les gars, c'est la fin du match. Là, il m'a mis une petite barre sympathique, mais bon. Au pire, si ça rentrait, je gagnais quand même 4-0 de base, donc ça va. Et bah, les gars, en tout cas, première impression très 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 positive de mon équipe. Ouais, plus que positif, sincèrement. Je suis plutôt fier de cette équipe. Elle est pas mal du tout. Je gagne 4-0, donc ça en est la preuve. Mes deux attaquants qui marquent, Gignac et Modeste, plus un doublé de mon milieu gauche, Caligiuri. Je crois que j'ai bien dit là, Caligiuri. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, tant pis. En tout cas, très 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 bon ressenti de cette équipe. Sincèrement, je suis vraiment trop content. Bref, bah ça fait quand même une première victoire en ligne. Même si c'est pas la saison, ce n'est qu'un match de compétition pour l'instant.
Mais c'est quand même la première victoire en ligne, donc c'est parfait. 1600 crédits, donc les gars, déjà, je rembourse la moitié de mon entraîneur. C'est bien. Bref. Bon, bah alors normalement, là, on a fini toutes les tâches manager. Voyons ça, mais normalement, on a fini toutes les tâches manager et on va, voilà, 18 sur 18. Donc normalement, on a un pack gratos. Hop, il est là-bas. Voilà, parfait. Normalement, voilà, si on va dans la boutique, on a un pack, c'est ça ? Attendez. Voilà, mes packs. 12 éléments, 10 en or, 1 rare. Donc on peut choper un bon truc, en tout cas, ça va forcément nous aider au niveau des contrats, au niveau de tout ce que vous voulez. On va laisser l'animation, parce que j'ai encore jamais vu là-dessus. Ah ouais, putain, énorme. Énorme pack, les gars. Je suis trop content. Bref. Bien sûr, c'est ironique, hein. Ouais, on s'en fout de tout ça. Ok, bah déjà, ce qui est très très bien, les gars, c'est que ça, on va le garder parce que ça aide toujours. Les contrats, on les garde, bien entendu. Ça, je vais le garder parce que ça peut toujours aider aussi. Bah, ça, de toute façon, c'est un doublon, donc on va le foutre. Ah, c'est des trucs non. Ah ouais. Ah, ça pue, ça, par contre. C'est des trucs non échangeables. Ok, bah, de toute façon, ils ont tous 40. Bah, ils ont même pas 45 contrats, je comprends pas là. Je ne comprends pas. Ok, bah, de toute façon, les gars, apparemment, c'est des éléments non rechangeables, donc. Enfin, non échangeables, donc tant pis. De toute façon, ouais, lui, je pas. Il joue à l'Ajax, il est finlandais. Non, Danemark. Danemark. Finlande, c'est bleu, je suis con. Bref, il est Danemark. Il vient du Danemark. Donc, bon. Un pack assez pété, mais bon. Ça peut toujours aider. En tout cas, j'ai gagné des contrats et ça, ça aide toujours. Bon, les gars, ouais, bah, ça, de toute façon, je l'ai déjà, c'est con, putain. Je l'ai déjà alors que j'ai ouvert aucun pack, tu sais. Bah, tant pis, hein, je suis obligé, je peux pas le garder. Bref, dommage, c'est un élément de perdu. Bon, les gars, on a fini notre match de compétition, on a fini toutes nos tâches managers. Donc, maintenant, les gars, on va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire la saison, gagner des crédits et se créer de bonnes équipes. Je pense que nous allons nous arrêter là. On va essayer de s'arrêter sur une bonne note, sur une note positive. On a gagné un match, c'est le principal. Puis la vidéo sera quand même déjà assez longue, sachant que j'ai quand même fait pas mal de blabla au début. Donc voilà les gars, je le répète, très très bonne impression sur cette équipe les gars. Sincèrement, regardez, si on va dessus, on va déjà regarder, déjà rien que ça. On voit un match, un but, deux passes décisives pour Modeste, un match, un but pour Gignac, et puis lui, pooh. Ah si, alors il a bien 4 étoiles de gestes techniques, c'est bien ce que je pensais. Avec ouais, un match de but, dont un but de la tête alors qu'il fait 1m82, donc ouais, bon 1m82 ça va quand même. Moi je vous dis les gars, c'est cette charnière là qui m'intéresse. Cette charnière là qui est juste hyper intéressante et qui m'a fait un nombre d'arrêts incalculables. Un nombre d'interceptions incalculables, ils sont très 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 physiques sans faire de faute. Et ça, c'est très important. Donc voilà, Felipe Santana, Matip, juste énorme. Juste énorme. Bref, et puis mine de rien, moi m'a dit, bon j'ai pas encore eu le temps de le tester à mort, mais bon il m'a quand même fait une bonne impression, il m'a fait un ou deux trucs plutôt sympathiques sur son couloir, donc ouais, intéressant. En plus il est élevé, donc ça veut dire qu'il redescend bien, donc ça j'avais pas vu, c'est très très bien. Et lui moyen, donc ouais, en plus j'ai deux latéraux assez intéressants. Ensuite au niveau du milieu, bon Rodeux il m'a pas fait une grosse impression, même si apparemment il a l'air d'avoir une grosse frappe, parce qu'il a fait une frappe intéressante à un moment. Guilavogui, ouais il a l'air très très bon aussi, il m'a fait de beaux trucs défensivement, offensivement j'ai pas encore pu le tester. Mais bon, ça on verra ça par la suite des choses. Bon voilà les gars, on a fini pour cette vidéo. Ouais, du coup on va pas faire de match en saison sur cet épisode là, on est déjà à 5 victoires 0 défaites, ce qui est pas trop mal. Ce qu'on va faire c'est que dans l'épisode 3 on va démarrer le mode saison en ligne. On va démarrer le mode saison en ligne dans l'épisode 3 et puis on va essayer de monter le plus haut possible dans les saisons, de se créer de bonnes équipes. Et en gros, bah, l'aventure débutera réellement dans l'épisode 3, les gars. Bah voilà, les gars, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Pensez à commenter, à liker la vidéo. Et puis je vous dis, bah, ciao, à la prochaine. Allez, bye tout le monde.